Salbris, le domaine du Boulet. Voilà des noms qui résonnent agréablement aux oreilles des chasseurs, amoureux de la Sologne. Bravo. Deux amis chasseurs quittent le gîte dans lequel ils ont dîné, au feu de bois, à côté de leur chien, et dormi sur place pour se retrouver en pleine forme le lendemain, prêts à chasser le faisan et le perdreau rouge. Dites-moi, comment en êtes-vous arrivé là? Je fais des conneries. Du shit. Mais il est bien, maintenant il est avec nous, hein? Sérieux, ça te plaît? Sérieux. Oh, j'ai pris shit. La chasse. Voilà. Comment il est arrivé là, une belle histoire. Ce que vous voulez nous dire Xavier, c'est que... La chasse, oui Xavier. Mais en fait, ce qu'il veut nous dire Xavier, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est que nous, on est une structure qui a pour habitude de prendre des jeunes délinquants plein de problèmes de drogue, comme Xavier, il a bien exprimé en disant du shit, hein. C'est des problèmes de shit, on appelle ça de la drogue, quoi, pour les jeunes. Et nous, on a pour but de sortir les jeunes de la merde
par le biais de la chasse. Parce que la chasse, c'est comme un tremplin pour l'avenir, comme ça. Si on lui donne son permis de chasse, déjà, ça lui donnera un diplôme, tout ça, il pourra faire son métier dans la chasse, dans la nature. Hein, Xavier? Tu nous as dit que tu aimes bien les plantes. C'est ça, Xavier? Alors, plutôt. Il aime bien la nature, tout ce qui est les plantes. Hein. Et ça te plaît, Xavier? Bah, la chasse entre potes, c'est bien parce que ça me fait bien. Voilà. Chasse, c'est fabuleux. Il y a Tony Burnand qui avait dit la chasse a ceci de particulier et de rare qu'elle ensorcelle ses heureuses victimes. On est littéralement ensorcelé. Hein. Là. Il dit tu fais de la chatte. Allez, Xavier, tu fais de la chatte. Xavier. Des amis respectueux du gibier, une chasse réussie, des chiens heureux qui ont pu s'exprimer, que demander de plus à cette journée en Sologne? Bretagne sur lapin, chien courant sur lièvre et gros gibier, très chasse. Des moments d'intense émotion dans la cassette vidéo, les chiens courants à la chasse.